Bonjour, Miriam. Merci, merci. Bon dimanche à toi. Sais pas si ça se voit très bien. Là, vous me voyez bien ou c'est un peu sombre? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bon, dis bonjour aux gens qui sont là. Bonjour, bonjour. Bonjour, Anadiane. Bonjour, Mariam. Bonjour à vous tous qui êtes là. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Moi, je passe un bon dimanche, surtout en votre compagnie. Très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle, pour ce direct assez particulier. J'espère qu'il ne sera pas très long. Mais pourquoi j'ai décidé de faire ceci en direct? Parce que parfois, quand on fait les vidéos, les gens pensent que hors vidéo, c'est vrai que hors vidéo, il y a des erreurs qui arrivent, des choses qui arrivent, donc on va vivre toutes les erreurs là ici et être vraiment sûr que oui, ce sont vraiment sur elle, ce serait vraiment la composition qu'elle a, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, parce que tu as une très belle peau, qu'est-ce que tu utilises, quels sont les produits que tu utilises et tout. J'ai fait une vidéo ici où je vous ai montré la gamme de produits que j'utilisais, qui est She Moisture de Black African Soap. C'est un produit marocain. Je vais me rapprocher. Produit, vous pouvez pas bien voir le blanc et tout comme ça. Donc c'est un produit marocain qu'on vend ici, très utilisé et c'est un très bon produit. Aujourd'hui, je tiens déjà à vous dire merci absence parce que j'ai été absente pendant un bon bout de temps. Je préparais les examens, j'étais un peu en vacances, très occupée et tout. Et je n'ai pas pu être ici avec vous, mais je suis là. Je suis là et nous aurons des tous les jours. Donc, on va. Nous serons là, continuer à faire et nos reines du shopping. J'ai voulu faire les reines du shopping la semaine dernière. Mais j'ai été tellement occupée, j'ai pas pu composer une tenue pour vous, je m'en excuse. Partagez le direct. Je vais commencer par présenter cette tenue que je porte. Je me rends compte que Monsieur Sekoui n'est pas là. Ça, c'est un tissu ivoirien. Je sais pas si c'est une tenue traditionnelle ivoirienne, mais c'est un des abonnés, l'un d'entre vous qui vit en Côte d'Ivoire, Monsieur Sekou, qui nous a fait ce cadeau à mon mari et à moi. Donc, j'ai voulu lui dire merci ici aujourd'hui. Ça a été très gentil, très aimable de sa part. J'aime beaucoup. Et oui, je suis peut-être pas aimée par certaines personnes, mais d'autres qui m'apprécient beaucoup, qui m'aiment beaucoup et je reçois ce genre de cadeau. J'aime, moi j'aime bien, ça me va super bien. Le tissu, je ne le connaissais pas, donc je me dis que ça doit être
quelque chose de particulièrement ivoirien parce que je n'avais pas encore porté ce genre de tissu. Le modèle, oui, je connais, mais le tissu, non, je n'avais pas encore porté ce genre de tissu. Désolée, c'est quand fait. Bonjour Sylvie et Yann, bonjour, bienvenue sur le direct que nous faisons maintenant. Donc, je vous avais présenté mon huile. Donc, l'huile que nous allons customiser aujourd'hui, c'est mon huile Chimon Sur 100% Virgin Coconut. On dit qu'il y a l'huile de coco dedans, mais ma grande déception avec cette huile, c'est que quand je me oins avec, j'ai toujours le corps qui blanchit, qui est tout blanc là. Ça ne travaille pas bien. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma lumière, elle s'est éteinte. En fait, ce que je disais, cette huile me, comment dire, elle ne fait pas que maintenant, il fait très, très froid. Non seulement il fait froid, le vent, il est sec. Donc, ça sèche la peau, donc vous avez les mains qui blanchissent un peu. Les gens qui vivent un peu du côté du nord comprennent ce que je dis, que ce soit du nord ici ou au nord en Afrique. Les vents secs, là, ça sèche la peau, vous blanchissez tout le temps. Donc, cette huile, vraiment, elle était superbe en été parce qu'elle ne chauffe pas et j'avais pas trop ce problème de la peau qui séchait. Mais maintenant, en hiver, c'est vraiment la catastrophe. Avant de continuer, je veux aussi dire merci. Par hasard, j'ai fait comme 2 semaines, une semaine et demie sans vidéo. Quand j'ouvre mon YouTube, grâce à vous, ma famille, grâce à vous, vos partages et tout, j'ai eu 700 abonnés en une semaine. Ça ne m'était pas arrivé pendant. Ça faisait des lustres. Je me suis dit, mais comment j'ai pas de vues, mais j'ai autant d'abonnés. Ça veut dire que ce ne sont pas les vidéos que je fais maintenant qui sont beaucoup regardées. Et j'ai regardé que ce sont mes anciennes vidéos qui sont beaucoup regardées. Ce sont elles qui font le top dans le récapitulatif de mes vidéos. Les gens aiment bien quand je fais des compositions d'huile, quand je fais des soins beauté. Voilà ce que les gens apprécient beaucoup. Et j'ai eu 700 abonnés en une semaine. J'étais émerveillée. Et merci, c'est vraiment mon cadeau de Noël que vous m'avez donné. Et j'espère que d'ici... la bonne année que vous allez m'offrir sera encore meilleure. Partageons le direct. Nous allons utiliser l'huile là. Désolée. Donc, bonjour Colombe. Bonjour Diane Kwam. Donc, nous aurons besoin, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même marque que moi. J'espère que vous pouvez, la même marque, ça c'est Chimon Sur que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté ici. Nous aurons besoin de ça. Et à ceci, j'ai besoin de quelque chose qui va faire briller, comment dire, qui va bien hydrater. Parce que quand ça sèche comme ça, c'est que nous avons besoin d'hydratation, de quelque chose qui va vraiment bien nourrir la peau. Donc là, nous aurons besoin, moi particulièrement, si vous ne faites pas une allergie, l'huile de coco est le super allié. C'est le meilleur des alliés. Donc, l'huile de coco va jouer un très grand rôle ici pour l'hydratation. Et j'aime ajouter autre chose. Je suis fidèle à mon beurre de karité. Vous voyez la boîte, je vous ai toujours dit que je n'achète pas le beurre de karité ici. Je l'achète au Cameroun. C'est pourquoi vous le voyez au Cameroun. C'est dans cette boîte qu'on nous les vend. Et je ne change pas, je prends soin pour faire mes compositions d'huile de cheveux, compositions de corps, je regarde ça là, des dents, dont nous aurons besoin du beurre de karité aussi, qui est un très bon hydratant, très bon pour la peau, ça hydrate la peau, ça gomme même la peau, donc quand vous voyez avec ça, vous gomme la peau, ça enlève toutes les impuretés, et les choses, comment dire, toutes les impuretés, disons, parce que tout ce que nous ne voulons pas sur notre corps, ce sont des impuretés. Ici, j'ai besoin de quelque chose qui va m'aider à éclaircir ma peau, la rendre lumineuse, radiante, éclatante.
Et ça, c'est le meilleur moment en hiver, c'est où nous traitons le plus notre peau parce que le corps est toujours ouvert et en été, tu as un teint super. Donc, je vais éclaircir, je vais utiliser des choses qui vont éclaircir ma peau. Là, je vais utiliser quelque chose que j'ai souvent vu ma maman utiliser. Nos mamans ont beaucoup utilisé ceci pour leurs soins de peau. À la différence avec nous, c'est qu'elle faisait en petite quantité et elle mélangeait les deux dans la main. Parce que elle ne, comment dire, elle n'avait pas l'idée qu'elle pouvait garder leur crème au frais ou bien dans c'était un peu ça ou alors elle pouvait faire juste en petite quantité le mélange. Donc en fait le mélange gâte le lait si vous n'avez pas où garder. Donc elle utilisait le jus de carotte qui jusqu'aujourd'hui a fait ses preuves sur les soins de beauté. Vraiment, vraiment, le jus de carotte reste très bien pour notre peau, très bien pour le corps et oui, ici pour ma boîte de lait, là j'aurais besoin pas vraiment du jus d'une carotte, mais nous allons voir au fur et à mesure que nous allons continuer. J'aurais besoin du jus d'un demi-citron. Le citron ici va venir aussi jouer son rôle d'éclaircissant et surtout d'antioxydant, enlever toutes les impuretés de ma peau. Donc, le citron est le meilleur allié. Mais si vous faites une allergie au citron, vraiment, vous pouvez vous en passer et ne pas en mettre. Bonjour Françoise Okali, bonjour ma soeur, comment tu vas? Ici, comme conservateur, ce qu'elle n'avait pas pensé qu'elle pouvait utiliser, nous avons la vitamine E. Oui, vous voyez bien, ça c'est l'huile de vitamine E. L'huile de vitamine E, ça coûte super cher, surtout, je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas moi-même avant, mais c'est quand j'ai acheté, ceci, j'ai acheté à. Je n'ai pas acheté en pharmacie, mais en pharmacie, ça coûte plus cher. Je vais bien, merci. Nous allons bien, merci à Françoise Oukali. Vous pouvez trouver la vitamine E, les petites gélules là qu'on ouvre, vous mettez dans votre lait. C'est un très bon conservateur. Ceci, j'ai acheté à TJ Maxx. Pour ceux qui savent, je pense qu'il y a eu ça à 10 dollars. Mais en pharmacie, la vitamine E, vous savez, elle est bien plus chère. Donc, nous aurons besoin de vitamine E. Vous pouvez utiliser toutes les formes que vous voulez. Moi, je l'ai en huile. Nous aurons besoin de notre grattoir là. Je fais toujours des choses de façon manuelle pour que vous puissiez bien voir, comment dire, pour que ce soit accessible à tout le monde, que vous ayez un robot mixeur ou pas. Je préfère toujours faire les choses manuelles pour que tout le monde ait la possibilité de reproduire ce que je fais. Et la possibilité de reproduire ce que je fais. Donc, nous aurons besoin, j'aurai besoin de mon bol là pour faire le mélange, pour faire le mélange de tout ce que nous allons faire. La première étape, là, vous n'allez plus vraiment me voir. Je vous laisse enjoy ce que vous allez faire. Je reviendrai de temps en temps lire vos questions, poser les questions. Si je vais trop vite, arrêtez. Si vous avez besoin de prendre tout ce que je viens de présenter là et que nous puissions le faire ensemble, faites-le. Ou alors simplement, on regarde et après, vous pourriez regarder la vidéo après et reproduire la même chose. Je vous assure, c'est un lait qui marche très bien. Vous pouvez très bien voir mes mains. Les gens me demandent toujours qu'est-ce que tu utilises pour ton corps, tes mains et tout. Donc, c'est ce genre de mélange que je fais souvent. Peut-être je vais vous montrer comment je fais mes mélanges de savon maintenant parce que il est arrivé que je fasse des mélanges. Comment dire? Je fais aussi. J'achète le savon. Je l'utilise pas très souvent comme je l'achète. Il arrive que je mélange avec des choses. J'ajoute, j'enlève, j'apprends de nouvelles choses au fur et à mesure. Donc, allons faire. La première des choses, c'est de recueillir notre jus de carotte. Et avant de récupérer le jus de carotte, je vais faire fondre le beurre de karité à bain-marie. Je ne vais pas apporter ça, allez vous montrer. À bain-marie, c'est vous placez votre marmite au feu avec de l'eau. Parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent qu'est-ce que le bain-marie. Et beaucoup d'entre vous savez ce qu'est le bain-marie. Donc, je complète juste en disant que le bain-marie, vous allez prendre votre marmite, poser au feu avec de l'eau. Quand elle bout déjà, vous prenez simplement votre assiette, vous posez au-dessus et ce que vous avez à l'intérieur va chauffer, va fondre. Il arrive que je réchauffe même, comment dire, que je chauffe peut-être
un truc, peut-être la nourriture, les nourritures des bébés, vous savez, les céréales des bébés, quand nous voulons faire chauffer rapidement, c'est ce que nous faisons. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Pour faire ceci, je vais mettre 2 cuillères de beurre de karité dans mon assiette, 2 cuillères à soupe de beurre de karité. Et utiliser, n'allez pas mettre l'assiette en plastique dans de l'eau chaude. Et dit que facile, elle dit que. Donc, prenez quelque chose qui peut supporter la chaleur. Est-ce qu'il ne va pas avec ceci? Je pense que c'est un à tout moment. Come on! Savez, j'ai des nouveaux bébés. Pour dire comme ça, je vais vous présenter à la fin là. Vous avez promis acheter le matériel pour qu'on n'ait plus des vidéos sombres, floues et tout. Donc, j'ai acheté du matériel il y a un moment. Ça fait à peu près 2 ou 3 semaines que j'ai tout ça. Je pensais à vous présenter et tout. Mais comme je dis, je ne trouvais pas le temps. Donc, comme je disais, nous sommes à 1 cuillère. Je vais ajouter une deuxième. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le téléphone et vous pourriez regarder. Partagez la vidéo sur Facebook, YouTube et partout, partout. Vous voulez partager sur votre WhatsApp. Donc, 2 cuillères que je vais faire fondre à bain-marie. Vient d'arriver, laissez que moi je partage d'abord sur Facebook. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est comme le titre l'indique, nous sommes en train de notre lait de toilette, comment le rendre plus hydratant, éclaircissant. Très bien. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. La suite, il y a un message là, je vais lire, je voulais répondre, j'ai oublié. Bonjour Moussanda, c'est comme je disais à ceux qui n'étaient pas là au début, nous sommes en train de faire le lait de toilette, j'essaie de faire le direct pour que vous voyez. Je reçois tellement la question facile, qu'est-ce que tu utilises pour tes mains, qu'est-ce que tu utilises pour ton. Qu'est-ce que donc j'ai donc décidé de vous faire le direct pour que vous voyez vraiment ce que j'utilise pour qu'on comment dire pour que vous sachiez vraiment. Donc je vais baisser maintenant et nous allons travailler. Donc la première des choses sera de râper nos carottes, de râper notre carotte et de récupérer le jus. Pour ceux qui n'ont pas de mixeur, bon, pour dire vrai, j'aime faire ceci avec la râpe parce que là, j'ai mon. Parce qu'avec le mixeur, il va falloir que j'ajoute de l'eau. Ou alors, pour vous qui avez ce presse-agrumes, vous pouvez aussi l'utiliser parce que ça prend directement, ça extrait tout le jus de la carotte. Mais comme je dis, je fais toujours mes vidéos ainsi pour ceux qui n'ont pas de tous ces robots électriques et tout ça là, ils peuvent. Utiliser la râpe comme je montre et vous utilisez la partie qui est plus petite là, les plus petits trous là, c'est ce que vous utilisez. Là c'est grand, là c'est encore plus grand et là donc c'est vraiment ce côté petit petit. Envoyez des likes, partagez la vidéo et vous pouvez me dire en commentaire ce que vous voulez savoir. Une chose est sûre, à partir de lundi, nous aurons encore nos vidéos sur les reines du shopping. Ça ne va pas manquer.
Donc, maintenant, je redeviens très présente et très active sur notre chaîne. Je lis vos questions, posez vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel est le genre de vidéo que vous aimeriez que je fasse? Pour vous qui venez d'arriver, vous reconnaissez peut-être que ça, c'est un tissu ivoirien. Donc, je partage avec vous. C'est monsieur Seko, un abonné, qui m'a fait ce cadeau, qui nous a fait ce cadeau. J'attends vos questions. Posez vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Envoyez des pouces, envoyez des likes. Il y a Moussanda qui demande comment garder son visage net. Tu as quel type de peau? Tu as quel type de peau? J'espère que tu n'as pas une peau vilaine comme la mienne. Tu as quel genre, type de peau grasse, sèche ou sèche à temps? Ou bien tu as les deux, une peau qui... Un visage qui sèche rapidement. Salut Arlette Flore. Salut Arlette. Oui, je pose la question. Quel est ton type de peau? Tu as une peau sèche, une peau grasse? Arlette Flore, tu es là. Tu as une peau grasse, ça veut dire que tu as une peau à problème comme la mienne. Je vais déjà dire que l'erreur que nous faisons souvent, comme moi j'ai fait pendant beaucoup d'années, je ne mettais pas de lait sur mon visage à une certaine période parce que je me suis dit que j'ai une peau grasse, j'ai pas besoin d'huile. Donc, ce que je faisais, et je transpirais justement comme toi. Bonjour Léo. Bienvenue. L'erreur que je faisais, c'était de ne pas mettre le lait sur mon visage. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Au contraire, j'étais en train d'abîmer mon visage. Sérieusement, je l'ai abîmé parce que mon visage n'était pas nourri, il n'était pas hydraté, ne recevait pas ce qu'il devait recevoir. Donc, le premier conseil que je vais te donner, ne fais pas l'erreur de bannir la crème de ton visage parce que tu as une peau grasse, ça c'est une très grosse erreur. Et deuxième chose, je ne sais pas si tu as de l'acné, mais il y a des huiles qui marche avec les peaux grasses et celles qui ne marchent vraiment pas avec des peaux grasses. Donc, quand tu achètes un lait pour ton visage, il faut lire les constituants. Par exemple, il y a des crèmes pour le visage avec salicylic acide. L'acide, je crois qu'il y a deux choses seulement en anglais, comment dire. Salicylic acide, c'est l'acide salique. Il y a souvent de petits boutons, justement. Tu as souvent de petits boutons. Donc, quand tu achètes une crème pour ton visage, il faut lire les composants. Il faut acheter des produits qui ont, par exemple, l'eau de rose. On te dit que ça contient de l'eau de rose. Ou alors, beaucoup plus l'acide salicylique. Acide salicylique, c'est ce que je conseille le plus aux gens pour une peau à tendance acnéique ou alors une peau grasse. Et acheter aussi des produits qui ont beaucoup d'aloès vera, huile de coco, huile de colza, le beurre de karité, c'est ça, ça nous hydrate la peau et en même temps, ça nous aide à éliminer toutes les imperfections et ça diminue le fait que le visage soit assez gras. Tu seras surprise quand je vais te demander de faire un soin de visage
tous les soirs avec de te gommer le visage le soir avec le beurre de karité et de laver avec de l'eau tiède. Par exemple, une huile pour le visage. Attends, je te montre celle que j'utilise maintenant en journée. Il y a cette huile. Je sais pas si tu lis bien. C'est la marque Neutrogena. C'est écrit Oil Free Acne Moisturizer. Donc, ça, c'est une huile qui est bien pour un visage à tendance acnéique. Et les produits Neutrogena, nous les avons partout dans le monde. Je pense qu'on les trouve partout. Tu peux trouver cette marque et elle a plusieurs, comment dire ça, plusieurs parfums que tu pourras trouver très bien pour ton visage. Donc, quand tu as une peau vraiment grasse, tu achètes des huiles comme celle-ci. On dit oil free. En fait, quand on dit oil free, c'est que oui, au Gabon, à Libreville, tu peux trouver ceci dans des surfaces. Parce que si j'ai vu ça au Cameroun, ça veut dire que vous pouvez avoir ça au Gabon aussi. C'est juste pour dire, comme tu as une peau grasse, ça ne veut pas dire que tu dois annuler le lait de ton visage. Utilise juste. Parce que quand on te dit oil free, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'huile dedans. C'est juste qu'on a enlevé des huiles grasses et sans parabènes. Donc, on a enlevé la matière vraiment grasse. Ça hydrate ton visage sans toutefois apporter encore de la matière grasse. Au contraire, ça t'aide à diminuer la matière grasse qu'il y a sur ton visage. Il y a aussi la marque. Faut que je me rappelle. D'ici peut-être la fin, je vais me rappeler quelque chose que j'utilisais aussi. Skin Success. Skin Success, tu peux prendre le bic et le papier et écrire. Ça, je trouve aussi au Cameroun. La gamme Skin Success m'a aussi beaucoup aidé à réduire le gras de mon visage. Ils ont la crème pour le visage, ils ont la lotion pour le visage. Ça marche aussi, Skin Success. Et il y a des compositions que je vous ai faites ici. Toi-même, tu peux faire tes compositions pour ton visage. Pour me parler en privé, il faut me contacter sur Instagram. Beaucoup de personnes m'écrivent sur Instagram inbox. Tu peux m'écrire là-bas. Mon numéro WhatsApp, je le partage pas. Donc, beaucoup de personnes me contactent sur Instagram, Facile Beauty. Tu peux m'écrire en inbox là-bas. Il faut télécharger Instagram, c'est free. C'est comme tu as YouTube, installé YouTube, que tu peux installer Instagram. Donc, tu fais la même chose et tu crées un compte. Tu me cherches Facile Beauty. Ou alors, tu vas m'écrire sur Facebook, Facile Beauty, si tu as Facebook. Mais l'inconvénient avec mon Facebook, c'est que je ne pense pas que tu puisses m'écrire en privé là-bas. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore reçu de message en privé sur Facebook. Mais je sais sur Instagram, on m'écrit beaucoup. Tu pourras m'écrire là-bas. Ok, Arlette. Ça marche. Donc, quand vous avez une peau grasse, essayez d'acheter ne bannissez pas l'huile de votre visage. Ayez une routine. C'est vrai que moi-même, il y a des moments où vraiment, quand je suis prise comme la semaine, j'étais emportée avec mes examens et tout, je ne trouvais même pas le temps de passer la lotion sur mon visage. Mais ayez une routine que vous respectez vraiment, vous restez fidèle à votre routine, votre visage sera super. Peu importe les produits que vous achetez, quand vous achetez un produit qui vous correspond et que vous ne respectez pas la routine, je vous assure, ça ne va rien faire sur votre visage. Et prenez aussi le temps, n'appliquons pas seulement les produits sur le visage. Il faut prendre, excusez-moi, il faut prendre le temps de vous gommer de temps en temps le visage, de faire des masques. Ça aussi, ça joue un très grand rôle. Le sein, le teint. Que ce soit le visage ou tout le corps, dans là, je vais recueillir le jus de notre carotte en pressant simplement, là maintenant, parce
que bon, je peux avoir quand même une cuillère de jus de carotte avec ça. Et avant de faire vos produits de corps, visage et tout ça, il faut vous laver les mains. C'est très important. Pour presser votre jus de carotte, vous pouvez utiliser, si vous avez un tissu blanc léger, un tissu vraiment très très léger, là vous pouvez l'utiliser. Ou alors si vous avez un mouchoir un peu épais comme le mien, vous l'utilisez en prenant simplement votre carotte. Mettez à l'intérieur. Changer le contenant parce que l'autre avait la carotte à l'intérieur. Voyez, vous pressez simplement ici. J'espère que vous voyez. Pressez simplement. Là, jette la carotte pure. Le jus de carotte vraiment pur. Là, je ramène mon beurre de karité qui est totalement fondu. Je comprends pas. Flore, qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas ta question. Excuse-moi si je suis en train de faire du riz. Donc, voilà notre beurre de karité qui a fondu. Je vais ajouter de l'huile de coco. J'ai une, sont 2 cuillères de beurre de karité. J'ajoute aussi 2 cuillères d'huile de coco. À ceci, je vais ajouter le jus de carotte. Bon, je vais mettre 2 cuillères aussi. Maintenant, nous allons ajouter notre lait. Sa texture est vraiment bizarre. Et ça sent l'huile de coco, mais je sais pas pourquoi ce, comment dire, ça n'y gratte vraiment pas la peau comme il faut. ml. Donc disons, puisque j'avais commencé à l'utiliser déjà, disons qu'il restait 300 ml. Donc 300 ml de votre lait avec tout ce que j'ai mis là. Ne manquez pas le direct de demain. Il y aura un direct demain. Je ne sais pas à quelle heure déjà. Je vais vous laisser l'heure. Mais il y aura un direct demain où je vais vous présenter les vitamines.
rester là pendant longtemps hein, pour sortir ça. Texture de cette huile est bizarre. Vous pouvez pas bien voir, mais elle ne, vraiment, elle ne, comment dire, elle ne gratte vraiment pas. Je voulais garder le flacon pour remettre l'huile, mais je pense que je vais chercher un autre flacon et trouver ceci. J'ai déjà coupé, Flore. Mais merci pour l'astuce, mais j'ai déjà coupé. Je vais trouver un autre flacon. Et de toutes les façons, quand tu fais, comment dire, quand vous faites des compositions ainsi, ce sont des flacons de glace, de verre ainsi qu'il vous faut. Clair, pas sombre comme mon verre là. Mais c'est ce qu'il vous faut, des flacons transparents de verre. Des flacons à la tour. C'est comme un yaourt. Donc, je vais d'abord mélanger ceci avant d'ajouter le reste. Ça fait comme du yaourt. Come on! Je me rends compte que l'huile là, elle est beaucoup. Je vais ajouter de l'huile de coco. Je vais ajouter de l'huile de coco. Donc, on était à 2. Donc, je vais ajouter 2 encore. 3. Là, le direct est bien long. Parce que là, je vous ai écrit en commentaire, en description. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne lisent même pas les descriptions. Je vous aurais dit, ah, en continuant, j'ai ajouté de l'huile de coco parce que je me suis rendu compte que 2, ça ne suffisait pas. Je ne veux pas ajouter le beurre de karité parce qu'il va falloir encore aller chauffer. Qui vient d'arriver me demande quel sérum c'est. C'est pas le sérum. J'ai pas mis de sérum à l'intérieur. C'est l'huile de coco.
l'huile de coco, jus de carotte. On va ajouter le jus de citron tout à l'heure. Et là, c'est l'huile de la vitamine E, beurre de karité. Et ceci, c'est mon lait, c'est la crème jour pour mon visage que j'utilise maintenant. Et le soir, je mets le sérum à la vitamine C que je vous ai présenté dans une autre vidéo que j'ai composée. C'est ça que je mets le soir. Mais en journée, c'est ceci que je mets. Je ne mets pas de sérum dans mon huile. Voici le travail qui est alors difficile. Mélangez tout ceci avec votre fourchette. Vous allez prendre comme 15 minutes et battre vraiment comme si, comme quand vous battez les œufs. Mais là maintenant, pour ne pas rendre la vidéo encore plus longue, je vais utiliser autre chose. Donc, nous continuons. Je vais ajouter l'huile de machin, c'est un dernier. Je vais ajouter une cuillère de jus de citron. Si vous faites, je dis encore, si vous faites une allergie au citron, n'en mettez pas. Mais c'est très bien, c'est un très bon éclaircissant, un très bon antioxydant et enlève vraiment les impuretés sur la peau. Le jus de mon demi-citron. À ceci, je vais ajouter mon huile de vitamine E. Très bien pour la peau. Superbe pour la peau. J'ai envie de mettre tout le flacon, mais deux, ça suffit. Donc, maintenant, vous allez battre à ce que le bras vous fasse mal, à ce que vous ayez cette texture que je vais vous montrer à la fin. Mais moi, je ne vais pas utiliser la fourchette, sinon nous allons y passer la journée. Mais vous, vous avez le temps, quand vous faites votre composition de lait, vous avez le temps, vous êtes à la maison, vous avez le temps de faire tout ceci. Donc, vous allez, comme je fais là, comme quand vous battez vos œufs, vous allez passer vraiment du temps à le faire pendant longtemps. Ou alors, vous pouvez toujours utiliser la batteuse à main. Je ne vais pas l'utiliser simplement en faisant ceci. Si vous l'avez, je vous montre tous les cas de figure. C'est aussi plus rapide. Mais là, je vais utiliser mon frélateur, ce sera plus rapide encore. Ce sera plus rapide encore avec le robot. Le blanc nous rend les choses vraiment. Je ne sais pas si les prises ici fonctionnent, je pense qu'elles ont un problème. Ah, yeah. Donc, simplement avec ceci, je vais faire le mélange. En fait, la texture que vous aurez à la fin, c'est un peu celle de la mayonnaise. Donc, quand vous battez avec la fourchette, là, si vous n'avez pas un robot comme celui-ci, observez à obtenir la texture de... Comparez avec votre mayonnaise à la maison si vous avez obtenu la bonne texture. Mon appareil, s'il peut m'aider à ajouter le beurre de karité et le faire fondre là-dedans. Donc, je vais ajouter une cuillère de beurre de karité.
faire pour la peau. Ça, c'est mon allié. Cheveux, corps, peau. Je vais vous laisser l'heure, comme j'ai laissé l'heure de celui-ci. Je vais vous laisser l'heure. Je vais vous présenter les vitamines que je prends. Beaucoup d'entre vous savent que moi, je suis anti-médicaments. Mais, il y a des vitamines que j'ai commencé à prendre qui sont très bien, non seulement pour la santé, mais aussi pour la peau. Que je peux vous conseiller aussi de prendre sans aucun danger. Donc ne manquez pas la vidéo de demain. J'espère que vous avez regardé ma vidéo sur New York. Vous avez ça fait 3 ans que je suis ici. Je passais par New York juste du genre en voiture. Je n'avais jamais pris le temps d'y aller, de visiter, de voir vraiment des monuments historiques et tout. L'adaptateur qui me permet de connecter ma machine à mon ordinateur m'a lâché. C'est pourquoi j'avais une autre, peut-être je vais vous la présenter, j'avais une autre vidéo où je fais vraiment la partie tourisme, où j'ai vraiment beaucoup visité. Là, j'ai juste mis une petite partie parce que j'ai dû monter ça avec mon téléphone et je ne suis pas très forte pour monter les vidéos avec mon téléphone. Donc, vous avez eu juste ce petit extrait. Mais j'ai filmé, je pense, je vais m'asseoir et vraiment monter cette vidéo vacation et vous pourrez visiter avec moi puisque j'ai pu visiter à New York. C'était bien, c'était vraiment bien. J'ai revu beaucoup de choses comme j'ai dit dans la vidéo. Dans la vidéo, j'ai dit que je voyais ceci uniquement dans des films. Maintenant, je peux vraiment voir ce que c'est. Les Ivoiriens apprennent ça quoi? Le baume. J'ai oublié. Je sais que les Ivoiriens utilisent un autre terme pour ça. Un autre terme pour parler de leur crème de corps. Mais elle est prête. Ce que je fais là, c'est le désordre. Là, elle ressemble à une bonne mayonnaise. Vous savez combien coûte une composition pareille? Je connais des personnes en Afrique qui vivent uniquement avec ceci. Elles font des compositions de lait. Elles te demandent qu'est-ce que tu veux. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut ajouter dedans. Elles te demandent, tu veux quoi? Juste éclaircir et gratter ta peau comme nous faisons là. Oui, elle te fait quelque chose comme ça. Elle te demande, tu veux décaper ou bien faire plus? Elle te fait ce qu'il faut. Donc, tu vois, toi-même, ça te prend, nous sommes là, ça fait 50 minutes que nous sommes là, sans compter toutes les pauses, disons que je ne fais pas de vidéo, tu n'expliques à personne, tu es seul à la maison, tu prends tes produits, tu fais ta composition et
Tu es OK, tu as ta crème éclaircissante là pour ton corps à vil prix. Par contre, je sais qu'on fait des choses comme ça. 20, 25 000, 15 000 moins cher. J'ai ceci, ce bocal acheté à Douglas d'or, je pense. Il est très bien pour... Il sera très bien pour conserver ma crème. Et je compose aussi le lait pour les enfants. Je vais vous faire une vidéo où je fais le lait uniquement, la crème pour le corps pour les enfants. Vous serez... Je vais le voir. Ok, je vais me laver les mains et nous allons tester notre lait. Bonjour Marie, bienvenue. Là-bas, il y a trop de soleil maintenant. Oui, c'est vrai qu'en Afrique, maintenant, il fait très chaud. Et ça, vraiment, quand il fait chaud, ce ne sera pas supportable. Vous pouvez faire ceci pour vous oindre avec uniquement dans la nuit, mais sortir là, ce ne sera pas facile. Donc, je me suis lavé les mains. Nous allons essayer notre crème là. Pas besoin de beaucoup pour les mains. Vous voyez comment ça brille maintenant. Je tiens à vous dire que quand vous faites une composition avec le beurre de karité, sachez que au toucher comme ça, ce sera vraiment très lourd. Le beurre de karité, le vrai, quand il est épais là, il est bien. Il est vraiment très lourd, le beurre de karité. Donc, c'est rien, comme vous voyez. Regardez. Maintenant, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour couvrir. Ça, c'est bon. C'est pour un bon bout de temps. Ce que je venais partager avec vous aujourd'hui.
et vous dire que Pacile sera très active. Il y a un direct demain où je vais vous présenter les vitamines que je prends, que j'ai commencé à prendre. Vous savez, j'étais anti-médicaments, mais j'ai changé d'avis parce que après des études et avoir beaucoup et avoir longtemps causé avec mon médecin, j'ai commencé à prendre des vitamines. Donc la famille, ici il est 8 h. Je pense combien la lumière du jour. Ici il est 8 h, 8 h 10, quelque chose, 12, 13. Et aujourd'hui c'est dimanche, on va se préparer pour la messe. Je voulais faire ceci avant de partir, vous présenter un autre petit bébé là, essayez et dites-moi. Oh, il est 14 h 11 là-bas, ok. Et dites-moi, venez me dire en commentaire si vous avez essayé. Flore m'a dit tout à l'heure qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud, mais qu'est-ce que vous pouvez faire quand il fait chaud? Ne mettez pas le beurre de karité, ne mettez pas l'huile de coco. Si vous avez déjà votre huile que vous utilisez et vous rendre votre lait un peu plus éclaircissant, mettez de la vitamine E, le jus de carotte et si vous pouvez, mettez du citron. Ce sera superbe. Si vous n'avez pas où garder au frais à cause du jus de carotte surtout, mais la vitamine E déjà, c'est un très bon conservateur. Donc, vous pouvez avoir ça même pendant une semaine sans avoir à mettre au frais. Ou plus longtemps même encore. C'est surtout quand vous avez bien mélangé, vous avez chauffé votre huile, votre beurre de karité, vous mélangez tout bien. Vous l'aurez pendant longtemps. Vous pourrez n'aller pas un mois. Donc, vous pouvez avoir 2, 3, 4 semaines. Faites toujours des petites quantités. Ça finit, vous refaites, ça finit, vous refaites. Ou bien, faites des grandes quantités. Vous gardez au frais. De temps en temps, vous prenez un peu, vous utilisez. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Oui, Marie. Donc, pour ceux qui sont où il fait chaud, c'est ça. Ne mettez pas le beurre de karité. N'achetez pas le beurre de karité et l'huile de coco pour ne pas marcher en transpirant comme un malade là-dehors. Non, mettez juste du jus de carotte dans votre lait et du jus de citron. Ou alors, mélangez du jus de citron et du beurre de... et de... du jus de karité dans un petit flacon comme ça. Et quand vous voulez vous oindre, vous mettez un peu de votre jus de carotte, un peu de votre crème. Vous mélangez bien les deux dans votre main et vous vous oignez avec. Ce sera super aussi. Donc, je vous dis, on se voit demain pour notre direct. Sauf, comment dire, si quelque chose change, je vous dirai. Mais on a notre direct déjà demain prévu. Je vais vous laisser l'heure sur mon statut Instagram ou sur mon statut YouTube. Donc, vous serez au courant de l'heure et je vais vous rappeler le thème de demain. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir regardé. Ça a été un plaisir de partager ce direct avec vous. Je n'ai jamais fait un direct d'une heure. Donc, j'ai partagé avec vous. J'ai eu des questions. Merci beaucoup, Flore, pour... ta participation si active. Merci beaucoup. Merci à Marie. Merci à vous tous qui êtes là, Françoise Okali. Vous tous qui avez participé grâce à vos bonjour et tout. Arlette, Flore, Colombe, Diane Kwame, Sylvie, Ayan, Anadiane, Mariam. Désolée pour ceux que je n'ai pas cités. Il y a Léo. Il y a Marie. Donc, merci à vous tous pour votre participation si active. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à demain. Je serai là pour partager avec vous une nouvelle astuce. Bye!